roman de Joël Egloff, donc c'est une collaboration de plusieurs mois. Donc on crée des petites formes à partir maintenant en septembre. Je reviendrai après tout à l'heure, je vais aller assez vite. Donc on présente plusieurs portraits de personnages issus des textes de Joël Egloff. Et là, on a une première dans 2 jours. Donc on va vous présenter 2 séquences de ce spectacle qui ne sont pas du tout ensemble dans le spectacle. Sachez que c'est un travail dont l'univers sonore est assez présent, même très présent. La lumière aussi. Et comme ici, on n'avait pas trop les moyens d'installer, on n'a pas fait les rien du tout que la moitié d'une chose. Quoi. Voilà. À tout à l'heure. Il y a 2 séquences, et je n'indiquerai pas parce que vous allez comprendre, il y en a un qui change de pull, c'est la 2e séquence. Bonjour, monsieur le cas, bonjour. Monsieur le cœur, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. C'est pas mal ça. Monsieur le cœur, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Oui, oui. Oui, et vous-même? Oui. Bonjour, bonjour, monsieur le cœur, bonjour, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis vraiment désolée, j'aurais voulu vous demander, oui, voilà, c'est ça, j'aurais voulu savoir si c'était possible, et éventuellement, je voulais vous poser la question, j'aurais voulu savoir si c'était possible aujourd'hui, c'est-à-dire, j'aurais aimé vous demander si c'était possible. Ah non, c'est pas possible. Plus simple. Monsieur le cœur, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je voulais savoir si c'était possible de partir tout à l'heure, un peu avant midi, pour rejoindre mes enfants au Trocadéro pour l'éclipse. Bonjour. Bonjour, monsieur le cœur. Oui, très bien, merci. Monsieur le cœur, voilà, je voulais vous demander éventuellement si c'était possible tout à l'heure de partir un peu plus tôt. Je regrette, c'est un peu bête, je sais. C'est-à-dire que j'ai promis à mes enfants, je leur ai dit qu'on allait se rejoindre tout à l'heure pour l'éclipse au Trocadéro. Et donc, je ne voudrais pas vous déranger, mais je voulais vous demander enfin, si éventuellement c'était possible. C'est-à-dire, je suis arrivée 1 heure plus tôt aujourd'hui pour, vous savez, je ne voulais pas empêcher le travail, et donc je me suis organisée, et donc je voulais vous demander 10 minutes, monsieur le cœur, 10 minutes. Monsieur le cœur, bonjour. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Vraiment, je suis désolée, je regrette. En fait, j'aurais voulu vous demander, j'aurais voulu savoir. C'est-à-dire, j'aimerais partir tout à l'heure au Trocadéro. Ma mère est morte.
monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur Lecoeur. Bonjour, Marie. Monsieur Lecoeur, bonjour. Marie, il faut qu'on voit un truc urgent tous les deux, s'il vous plaît. Oui. Quand ça? Maintenant, c'est important, pardon. C'est que... Monsieur Lecoeur, en fait, j'aurais voulu vous... Il y en a pour un quart d'heure, pas plus, mais il faut que ça parte avant 13h, c'est impératif. Je suis vraiment désolé. Enfin, je voudrais pas vous déranger, mais c'est assez important, c'est un gros dossier, et ça m'aiderait vraiment que... Mais je voulais déposer à l'entrée, ça vous évitera de venir jusqu'à mon bureau. Je sais que vous êtes très occupé le matin, et je peux repasser à un autre moment si vous voulez, mais vraiment, ça m'aiderait que vous m'aidiez, parce que c'est assez impératif. Mais je voudrais pas vous déranger, parce que c'est un jeu. Excuse-moi, Oui. Excuse-moi, Non, je t'en prie, je t'en prie. C'est-à-dire, tu comprends, en fait, monsieur Lecoeur, il parle pas comme ça, il s'excuse pas. Non, mais oui, c'est vrai. Oui, voilà. Non, mais c'est pas sur raison. Non, c'est moi, je suis là. Non, mais c'est moi, je suis désolé. Non, c'est moi. Ah non, mais je veux pas te faire perdre ton temps, je suis désolé, je suis là non, pour toi. Non, je te remercie, au contraire. Non, il est plus sec. Il est plus sec. Plus dynamique. Oui, voilà, c'est ça, c'est... Oui, non, mais bien sûr, je le refais. Oui, c'est... Oui, je t'en prie. Excuse-moi, Ah non, mais je t'en prie, c'est moi qui... Merci. Je suis désolé. Pardon. Je le refais. Marie, il faut qu'on voit un truc urgent tous les deux, s'il vous plaît. Non, ça m'a pas bougé de dire s'il vous plaît, pardon. Pardon, mais ça, j'ai l'habitude avec lui. On est toujours en train de s'excuser, on est... Je réponds. Non. Je peux peut-être le faire directement d'ici. Parce que... Oui, c'est mieux. Plus sec. Oui, c'est... Plus... Oui, merci. Non, c'est en prêt. Comme il est d'habitude. Bonjour, Marie. Pardon, je voulais pas te faire peur. Non, mais ça, c'est comme quand il nous parle le matin. T'as le son gros. Oui, enfin, là, c'est très surprenant. Je suis vraiment désolé. Marie, il faut qu'on voit un truc urgent, tous les deux. Oui. Quand ça? Maintenant, c'est important. C'est que, monsieur Lecoeur, en fait... Il y en a pour un quart d'heure, pas plus, mais il faut que ça parte avant 13h, c'est impératif. C'était pas mal, là. Oui. Non? Si, c'était... Ah oui, j'ai trouvé. C'était très, très bien. C'était... Ah, oui. C'était plus... Ah, c'était parfait, vraiment, oui. Bravo. Merci. C'est-à-dire, il faudrait que je puisse répondre aussi bien que tu fais, monsieur. Ah, mais oui, mais bien sûr. Non, mais bien sûr. C'est important pour toi, c'est important pour nous, on est tous avec toi, Marie. J'ai une totale confiance en toi. Merci. Merci, pardon. Tu l'as pas pris pour toi? Pardon? Là, quand je faisais monsieur Lecoeur... C'est pas moi qui te parlais comme ça. Non, j'y arriverai jamais. Ouais, non, mais il faut que tu arrives, il faut que tu lui dises, que tu fasses quelque chose. Je sais. C'est important. Parce que si tu lui réponds pas, il va te faire le coup du menton. Ah oui, ça c'est sûr, tu vas y avoir droit quand il se le touche comme ça et qu'il tourne autour. Ça c'est sûr, tu vas y avoir droit. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que ça ne peut pas se passer comme ça. Ça risque de nous poser des problèmes parce que. Vous avez l'air pressé? Non. Ah bon? Si, pardon. Ah non. Non, pardon. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que ça ne peut pas se passer comme ça. Ça risque de nous poser des problèmes parce que vous avez l'air pressé. Il est midi 2. Et alors? Et alors, l'éclipse, t'as pas envie d'aller voir l'éclipse, toi? Ah si, je veux bien, oui. Oui, je veux bien. Ça me permettrait de rencontrer tes enfants parce que je les ai jamais vus. Tu m'en parles souvent le matin. Là, j'ai vu les photos que tu as mis sur le bureau. Ils ont l'air. Vous avez l'air pressé. Il est midi 2. Et alors? Et alors, l'éclipse? Vous ne voulez pas voir l'éclipse, vous? C'est aujourd'hui? Bien sûr. Trop de choses à faire. C'est pour ça que je me dépêchais, mes enfants m'attendent. Le soleil attendra.
Vos enfants aussi. J'aurais su qu'il y avait une éclipse. Qui m'en aurait parlé? Je parle à personne. Personne ne parle. J'ai pas la télé. Ni la radio. J'écoute pas les journaux. Je dors sous les journaux. Je l'ai su au dernier moment. Au tout dernier moment, quand j'ai vu tous ces gens regarder en l'air autour de moi, c'est là que j'ai compris ce qui allait se passer. J'étais sur mon banc, je venais de me réveiller, j'avais beaucoup dormi. Qui boit dort, qui dort dîne déjà et tout le reste. Hein. Je m'attendais à ce qu'on me dise de m'en aller. Alors j'ai rassemblé mes affaires et j'ai attendu.
Mais personne n'a dû me voir. Et j'ai compris qu'on ne me demanderait rien, que le spectacle était gratis et qu'il serait pour tout le monde aujourd'hui. J'étais bien content d'être invité pour une fois. C'est moins mesquin tout de même quand c'est l'homme, c'est son gars, Lisa! J'en ai profité. Comme jamais, comme personne. Je suis monté sur mon banc. Et j'ai ouvert grand les yeux, aussi grand que je le pouvais, pour m'enfoncer tout ça dans les orbites, bien au fond. Et comment je pouvais savoir qu'il fallait mettre des lunettes pour protéger? C'est maintenant qu'on me le dit. Maintenant qu'il est trop tard. Allez, j'arrête. J'ai une mauvaise foi. J'en avais entendu parler de l'éclipse, par hasard. Je savais bien aussi qu'il fallait mettre des lunettes. J'avais compris, j'assume. J'assume tout. C'est mon choix. J'ai tellement peu l'occasion de faire des choix. Et... c'est qu'il y a des choses qu'on ne voit que les yeux nus. Et que moi seul ai vu. Je voyais déjà pas grand-chose avant, j'y vois plus rien maintenant. Et je préfère. Je vois plus... mon reflet dans les vitrines. Je vois plus... certains regards. Je vois plus ma bouteille me sauter à la gorge. Je vois plus mes godasses qui vomissent mes pieds et mes mains qui me plaignent. Je vois plus tout ce que je veux plus voir. J'ai choisi ma dernière image. Beaucoup de lumière. Je prépare ma sortie. Je m'éclipse.